Le Grand Cirque, c'est le cœur du festival. Il faut venir voir le spectacle Le Grand Cirque, puis après ça, profiter du site extérieur. Le coup d'envoi de l'édition 2015 du Festival international de cirque Vaudreuil-Dorion a été donné mardi devant les représentants des médias, les organisateurs et les partenaires. Le tapis rouge avait été déroulé au chapiteau Eugène Chaplin pour accueillir les invités d'honneur de cette 11e édition. Cette année, Eugène Chaplin est de retour à Vaudreuil-Dorion avec sa fille Kira. Il assurera une fois de plus la mise en scène du Grand Cirque. Pour sa part, Kira Chaplin agit à titre de porte-parole et de membre du jury. Pour le duo, le Festival international de cirque Vaudreuil-Dorion est devenu un rendez-vous annuel à ne pas manquer. Ben pour moi, c'est ma second home. Oui, je me retrouve à la maison ici, c'est superbe. Non, pareil, c'est la deuxième maison, ça devient comme une famille. Et puis, non, c'est toujours très excitant de voir les nouveaux artistes et à chaque fois, je me réjouis. L'invité d'honneur cette année est Mitch Winehouse, le père de la défunte chanteuse Amy Winehouse. C'est sous l'invitation personnelle de Kira, marraine de la fondation Amy Winehouse, qu'il a chaleureusement accepté de participer au festival. And you know, being a great lover of the circus and a supporter of the Chaplin family and a lover of Charlie Chaplin, how could I say no? I'm so pleased that we came. À l'occasion du Grand Cirque, des jeunes de la région présenteront un numéro hommage à Amy Winehouse, une attention qui touche particulièrement l'invité d'honneur. You know, I'm always happy to see kids pay tribute to Amy because you know, they do it out of love and affection towards her, and you know, I'm really looking forward to the tribute, very much so. Le Festival international de cirque Vaudreuil-Dorion se tient du 19 au 23 juin sur la rue Jeannotte. Des représentations du Grand Cirque ont lieu les 20 et 21 juin à 14h30 et à 19h. Pour plus d'informations, on visite le site web qui apparaît au bas de l'écran. C'était Stéphanie Lacroix à Vaudreuil-Dorion pour vaudreuilsoulanges.tv.